Ma maman chérie, je ne passerai pas le réveillon avec toi. Je suis désolée de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Je suis enfin enceinte et Victor dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane au milieu des bois. Victor! Je me suis rendu compte que la marijuana est bonne pour la santé et soulage tous les maux. Entre-temps, la science aura sûrement trouvé un remède au sida et Victor ira mieux. Il le mérite tellement, tu sais. Ne te fais pas de soucis pour moi, maman. J'ai déjà 13 ans et le peu d'expérience qu'il me manque, Victor me l'apportera du haut de ses 44 ans. Je dois partir avec Victor chez ses parents pour que nous puissions nous marier. Ce sera ensuite plus simple pour lui pour son permis de séjour. PS, je te raconte des bêtises, maman. Je suis chez les voisins. Je voulais juste que tu saches qu'il y a des choses bien pires que le bulletin scolaire que tu trouveras sur ma table de nuit. Oh, la petite peste.